Bonjour tout le monde. Hello, alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Catherine, bonjour Nadine, Pascal, Fabienne, Maritine, bonjour tout le monde. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier live créatif de l'année 2023. Bonjour Martine. Coucou. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous êtes en forme. Que voilà. Que tout va bien en ce lundi matin. J'ai hâte de démarrer le projet, j'ai plein de choses à vous dire. J'espère juste que vous allez vous poser tranquillement. Bonjour Brigitte. Bonjour Catherine. Hello, hello Sandrine. Véronique, il y a plein plein de monde ce matin. Je suis trop contente. Bienvenue, bienvenue. Je vous propose de passer une petite heure ensemble. Installez-vous tranquillement. Profitez, un petit thé, un petit café. Scrapez si vous avez eu le temps de préparer le matériel. Coucou Fafa, bonjour Monique, tous mes vœux également. Et juste profitez. Voilà. Coucou ma petite Camille. Pas de problème pour le replay, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bonjour Suzanne, bienvenue. Alors pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, d'abord, bienvenue, je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 3 ans, ça y est, on les a fêtés, dans l'Indre, plus précisément près de Leblanc. Alors là, je vais vous perdre. Coucou Karine, bonne année à toi aussi ma belle. Et donc chaque semaine, je vous propose de me retrouver en live pour réaliser ensemble un projet, scrap, carterie. Fafa, te moque pas. Tous les produits que j'utilise pour réaliser les projets sont exclusivement viennent exclusivement de Stampin' Up, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez réaliser bien sûr chaque projet avec ce que vous avez chez vous. Si vous avez envie de réaliser à l'identique, eh bien sachez que c'est possible. Coucou Véronique, que c'est possible bien sûr. Vous retrouverez sur mon blog à la fin de chaque live harmoniescrap.fr l'intégralité des produits que j'aurai utilisés ainsi que la fiche technique du projet du jour. Coucou ma belle Christelle. Tu fais la carte en même temps? Super. Merci beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous proposer une petite astuce. Vous verrez une fois qu'on aura terminé notre création. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sachez cependant que nous sommes en période de celebration, ce qui signifie que vous avez 2 mois pour profiter d'un grand nombre de produits offerts, des 60 ou 120 euros d'achat, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre la famille Stampin' Up et pourquoi pas mon équipe des Stamp Lovers. D'ailleurs, j'ai Laurence qui nous fait un petit coucou. Coucou ma belle, bonjour Nathalie. Et j'en profite aussi pour souhaiter devant tout le monde la bienvenue à notre nouvelle membre, à Karine, bienvenue à toi ma belle. Vous avez la possibilité de rejoindre grâce à 3 options incroyables. Si vous avez votre brochure Celebration, je vous invite à consulter la page 18. Incroyable. Vous avez notamment une option, c'est-à-dire 230 euros de produits à choisir et n'en payer que 129. Incroyable. Regardez et puis passez-moi un petit coup de fil ou envoyez-moi un petit message. Si vous avez des questions, on papotera ensemble. Oui, c'est vraiment, vraiment trop cool. Alors, je vous laisse préparer tous vos papiers, votre matériel. Si c'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous le savez. Le live sera disponible bien sûr sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur mon blog. Bref, vous allez pouvoir le retrouver partout pour pouvoir faire la création après. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent regarder d'abord et passer à l'option création après. Alors, on va retourner la caméra. Voilà. Vous avez donc à l'image la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça. Alors, hop, l'avantage c'est qu'elle est super grande. Du coup, si on est plusieurs à vouloir par exemple rédiger un petit mot pour un anniversaire, ça va être le top du top. Là, tout le monde aura de la place, ça sera super. Bonjour Myriam, bienvenue.
Vous pouvez donc mettre le papier blanc sur le recto du papier uni, mais si vous êtes vraiment très nombreux, bonjour Fifi, eh bien vous pourrez aussi en mettre à l'arrière, donc ça c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez aussi cacher plein d'autres petites choses dedans, parce que du coup on a quand même pas mal de place, donc ça c'est top. La première version de la carte croisée que je vous propose ce matin, elle est réalisée avec deux produits de la SAB. C'est chouette sans vouloir faire de jeu de mots. Merci Laurence, effectivement. Bravo à toi. Donc le papier à motif, ça s'appelle motif coquet. Celui-ci, le voici. Hop, je vous mets là. Normalement, vous voyez tout. Donc il est offert des 120 euros d'achat. Bonjour Candice, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment en live. Donc ce sont des papiers en 30,5 par 30,5. Vous avez énormément de choix puisque, attention, il y a la deuxième page. 48 feuilles au format 30-30. C'est vraiment le top. Puis alors vraiment les couleurs sont très douces et du coup on peut s'en servir pour beaucoup beaucoup d'occasions. Vous reconnaîtrez ici le papier que j'ai utilisé pour la première version. Ai-je besoin de vous citer le set de tampons de la SAB gratuit des 60 euros? Je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu sur les réseaux, mais en même temps, elles sont tellement craquantes, ces petites chouettes, que voilà, on peut difficilement s'en passer. Et celui-ci offert donc des 60 euros d'achat. Bonjour Nathalie, bienvenue. Voilà, et ici, pour information, j'ai colorisé la petite chouette avec les crayons aquarelles accompagnés des crayons estompe. Si vous voulez revoir les lives que j'avais proposés au mois d'octobre sur le thème de la colorisation, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube. Ce sont tous les lives du mois d'octobre. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser, vous allez voir, alors, je vais baisser un peu cette lumière qui fait un truc bizarre. Voilà, j'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop. C'est assez bizarre, elle fait des... Bon, dites-moi si c'est pas trop sombre pour vous. Sinon, je réaugmente, mais ça fait un truc bizarre. Donc, je disais, je vais aujourd'hui utiliser un autre produit de la Celebration, mais pas seulement. Alors, je vous montre d'abord le papier à motif qui s'appelle Fleurs délicates. Là aussi, nous sommes sur des papiers au format 30,5 par 30,5. Voilà, des 60 euros d'achat. Voilà, c'est très printanier et je vous cache pas que moi j'attends le printemps avec impatience. J'en ai marre qu'il fasse nuit le matin quand je me lève. C'est un truc tout bête, hein, mais voilà, dur dur, hein. Bonjour Marie-France, bienvenue. Et du coup, eh bien, je vais l'associer à un lot du mini catalogue justement, qui n'est autre qu'un lot de la collection Caprice de Météo. C'est aussi une collection que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais l'associer avec celui-ci. Alors, sachez pour information que le lot Les Joies de la Pluie, c'est-à-dire le set de tampons accompagné des poinçons, que je vous montre ici, donc le set de tampons et les poinçons. Donc, acheter ensemble, ça vous fait gagner 10%, c'est-à-dire que le lot passe à 67,50 et toc, ça vous donne accès tout de suite aux produits gratuits, donc fleurs délicates. Voilà, ça vous donne une petite astuce pour savoir quoi choisir pour recevoir ces petits cadeaux de la SAB. Ici, pour info, ces découpes ici, elles sont faites directement dans le papier à motif de la collection. Toc, toc, toc. Caprice de météo. C'est du papier qui est magique, hein, vraiment. Et regardez, en plus, les rectos brillent tous. C'est trop beau. Et donc, vous voyez, chaque petit personnage ici de cette feuille, eh bien, peuvent tous être découpés grâce au poinçon. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, j'ai voulu dissocier un petit peu les deux, donc ça sera le lot joie de la pluie qui sera associé au papier fleurs délicates. On y va? C'est parti! Alors, à la fin du live, je vous proposerai une petite astuce. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir,
vous allez vite comprendre. Alors, si jamais vous n'avez pas le temps de réaliser, coucou Marie-Christine, le live en même temps que moi, pas de souci, vous aurez donc, comme je vous disais sur mon blog, toute la fiche technique pour réaliser la carte croisée à votre tour. Donc, pas d'inquiétude, on se pose tranquille et on profite. Alors, pour la base de ma carte, aujourd'hui, je vais utiliser du vert olive. Voilà, voici la mesure. Bonjour Sonia, comment ça va? Vous avez la mesure ici. J'ai toujours le fameux chat dans la gorge, comme à chaque fois que je suis en live. Donc, voilà, j'ai mon petit thé avec moi. Hop, j'ai un petit bout de papier, tiens. Alors, cette base de carte, donc, en vert olive, je vais... Toc, la retourner. Je vous laisse les mesures ici. Bonjour Florence, comment ça va? Et on va simplement faire deux plis sur ce morceau de papier, sur le bord long ici, donc 29, 7 ici et 13 ici. Donc, bonjour Isabelle, bienvenue. Ah, c'est trop chouette, ça me fait vraiment super plaisir, vous me donnez la pêche ce matin d'être là et tout, vraiment ça me fait du bien. Alors, le premier pli, toc, il est à 6 cm. Bon, il y en a que deux à faire, hein, donc pas de panique. Avec la fin d'une bonne grippe, oh, dur, dur, Florence, je compatis sincèrement. Je n'ai pas eu la grippe, mais j'ai eu une bronchite qui commence tout juste à me laisser tranquille. Donc, vous devez être crevé, je vous souhaite un bon rétablissement en tout cas. Donc, le premier pli est à 6 cm. Et le second, toc toc toc, on décale, est à 23,5. Bonjour Nadine, comment ça va ce matin? Bienvenue. 23,5. Alors, si ça peut vous aider, voilà ce que vous devez obtenir. La grippe est costaud, ouais, ouais, mais il y a eu tellement de virus, il y a eu des gastro aussi, on a eu la totale cet hiver. Voilà le schéma. Avec les mesures 6 cm, 23,5 pour les plis, sur le côté de 29,7. Voilà. Pour cette partie-là, pour le papier uni, c'est tout. Rien de plus. Très bien, votre compagnie. Oh, Nadine, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Je sais pas, vous avez dû sentir que j'avais besoin de recevoir votre belle énergie ce matin. Et je vous assure, ça fonctionne à 100%. Alors, vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite commencer à marquer, hop, mon papier ici. Vraiment, rien de plus à faire pour l'instant sur ce papier uni. Donc, on est sur un format un petit peu plus grand que d'habitude. Je vous fais confiance pour les enveloppes, bien sûr. Donc, voilà, ça va être la base. Ok, on ne va pas passer 8 jours dessus. Je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Quel que soit votre niveau de scrap, je ne suis pas inquiète. Alors, ensuite, dans la liste du matériel, j'avais demandé deux morceaux de papier à motif, 17,5 par 13. Je vais pas trop vite? Bon, c'est parfait, Christelle. Vous savez, en celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, il est très important pour moi de m'assurer que tout est OK pour tout le monde et que tout le monde arrive à suivre. Donc, deux morceaux de 17,5 par 13 cm. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc là, vous apercevez beaucoup mieux le papier fleur de prédilection de la SAB avec un très 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 joli verso. Mais je vais utiliser le recto ce matin. Je vais vous montrer le schéma. Comme ça, ça va vous donner une idée de ce que l'on va faire ensemble. Voilà. Le trait rouge, c'est tout simplement une coupe. Vous voyez ? Donc, il va simplement falloir couper en diagonale sur ces deux morceaux de papier à motif. Encore une fois, ce n'est pas très compliqué, vous en conviendrez. Simplement, on fait bien attention au moment où on va couper, d'accord, de bien couper dans les deux sens opposés, d'accord. On ne coupe pas la diagonale sur les deux papiers dans le même sens. Soyez bien vigilante. Au moment où vous allez couper, je sais que
il peut arriver que du coup, on se lance, on fonce, on se dit, allez hop, c'est une diagonale, c'est pas compliqué. Mais du coup, on va trop vite et on se fait piéger parce que du coup, on coupe la diagonale dans les mêmes sens et ça ne va pas. Ça y est, il y avait longtemps que j'avais pas été embêtée par le zoom. C'est reparti pour un tour. Alors, petite caméra, sois gentille. Ah, voilà. Donc, pour le premier morceau, je vais couper du haut à gauche vers le bas à droite. Si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, n'hésitez pas à vous servir ici de cette petite partie pour vous aider à caler. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour vous montrer. Voilà. Aidez-vous ici de la petite encoche. D'accord, ça va maintenir le papier. Toc. Voilà, on met bien la pointe au centre du trou. Ok, et du coup, on va viser en bas. Je vais dézoomer pour que vous voyez mieux en bas après. Voilà, hop. Donc là, j'ai bien les deux pointes. Donc là, un peu moins, mais bougez pas, je vous les remets. Donc, je cale bien dans la rainure, en haut et en bas. Et autre petit conseil, lorsque l'on coupe en pointe comme ça, évitez de commencer par couper par la pointe. Sinon, votre papier va rentrer à l'intérieur et ça sera un petit peu moins joli. Donc, placez votre lame à un endroit quelconque dans le papier ici. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir couper la pointe de façon beaucoup plus jolie. Ok? Alors, j'ai coupé cette première diagonale ici. Je la garde bien sous les yeux. Je garde bien le papier, pardon, sous les yeux. J'étais partie sur la diagonale. Ok, j'ai coupé dans ce sens-là. Donc, cette fois-ci, je vais venir couper du haut à droite vers le bas à gauche. J'insiste, mais c'est juste pour vous éviter de gâcher bêtement du papier. On cale bien dans la rainure. Voilà. Et voilà. Toc. Je vais retirer ça, puisque je n'en ai plus besoin. Donc, vous devez vous retrouver avec deux morceaux de papier. J'essaye de mettre dans le champ. Voilà. Ok. On a bien deux diagonales, mais opposées. Ça marche ? Alors, en fait, nous n'allons garder que deux morceaux sur les quatre. D'accord? Simplement pour qu'on puisse avoir les motifs dans le bon sens. Alors, je prends ma base de papier uni. Ok. Je vais prendre ce morceau ici. Et je vais prendre celui de droite ici. Ok? Ça marche pour vous? Les deux autres, ben on les met de côté. On y reviendra. Voilà. En gros, c'est l'essentiel de la carte. Bon, bien sûr, je vais vous montrer, on va pas la laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un truc, bon, qui va pas. Mais, alors, toc, je prends mon tube de colle. Petite astuce aussi. Ah, je savais bien que j'avais pris. Je vais positionner ce triangle là, donc en m'assurant qu'il est bien aligné en bas et sur le côté. Ok. Et pour me faciliter la tâche, au moment où je vais mettre ma colle, je vais me faire une petite marque. Coucou Nadine! Non, ça aurait pas fonctionné parce que du coup il y en a un qui aurait été à l'envers. Mais par contre, vous pouvez choisir, Candice, de mettre deux motifs différents aussi. Ça, c'est tout à fait possible d'alterner, de mettre sur une face le recto et sur une autre face le verso. Donc la petite astuce, c'est de venir faire une petite marque ici, juste, voilà. Même tout le long si vous voulez, tout simplement. D'accord? Du coup, on sait exactement où est-ce qu'on va devoir mettre notre colle.
Ok, parce que vous vous doutez bien qu'on va pas en mettre partout, qu'on va en avoir là dans le vide. Donc plutôt d'aller en coller le triangle et parce que pour l'instant on ne veut pas qu'il soit collé, puis on a quand même le vide ici. Voilà, c'est le papier uni que je vais en coller. Ok. Et en ayant fait cette petite marque, eh bien je sais exactement où je dois mettre la colle. Bon, c'est un petit détail, hein. Coucou Nathalie, une petite pause. Bon, écoute, j'espère que tu vas bien, ma belle. Hop, et là, maintenant, je peux venir poser ce papier ici. On aligne. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je crois que j'ai un petit bout ici. Voilà. Hop, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Donc, même principe. Je positionne correctement mon triangle. En haut, en bas, sur le côté. Toc, je me fais ma petite marque. Tout simple, au pliroir, et je viens mettre ma colle. N'hésitez pas à mettre vraiment une petite touche de colle dans le coin là, voilà, pour éviter que la pointe on ait l'impression qu'elle n'est pas collée ou qu'elle se décolle tout simplement. Eh ben non, Nathalie, aucune boulette, tout va très bien. Dis donc, moi ouais, ça roule nickel. On prend le temps de faire cette petite création tranquille. Voilà, on aligne et c'est super. Alors, c'est maintenant que je vais prendre ma paire de ciseaux et en fait, tout simplement, on va venir se séparer de ce petit triangle rectangle ici pour que ce soit quand même plus joli. Donc, tout simplement, donc si du coup, comme on a fait la petite marque, on sait exactement où couper et esthétiquement, aucun souci puisqu'on s'en sépare. Donc, la petite marque qu'on a faite au plioir, c'est magique, elle ne se voit pas. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec le coupe-papier, n'hésitez pas à le faire avec. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Ça prend forme, hein, n'est-ce pas? Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous rappelle qu'on fait une petite carte croisée ici, grand format. Voilà, dans laquelle on peut même rajouter d'autres petites choses encore, ça c'est top. Je vais peut-être la laisser là, comme ça on la verra. Voilà. Alors, maintenant, il suffit simplement. Coucou Christine, bonjour, bonjour, bonjour Marie-Thérèse. On va venir coller. Alors, vous choisissez le sens par lequel vous voulez commencer, d'accord? T'avais vu ma vidéo? Mais laquelle, Nathalie? Dis-moi. Alors, je viens tout simplement mettre un filet de colle dans le bas de ma carte, le bas du papier uni, ici. Hop. On fait attention à ne pas monter trop haut, d'accord? Parce qu'on veut insérer la carte dans laquelle on va mettre un petit mot. Donc, si c'est vraiment trop haut, après, bon, vous risquez d'avoir des petits soucis pour rentrer le reste. Voilà. Toc. Comment ça, t'as plus de son, ma routine? Ok. Voilà. Et du coup, je vais venir faire la même chose ici, maintenant avec l'autre partie. Donc là, on peut en mettre un peu plus, on s'inquiète pas, mais pas dans le bas, par contre, on ne monte pas trop haut. Voilà, et du coup, tout est super bien aligné. Voilà. Ah, ouf, c'est bon, t'as du son, c'est parfait. Voilà, ça y est, notre carte croisée, le plus gros est fait. Hey, coucou, comment ça va? Bienvenue, Fanny. C'est top, non? Alors, là, on peut rajouter un petit point de colle ici. Tout simplement
pour maintenir les deux papiers à motifs ensemble. Ça marche pour vous? Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein? Mais vous allez voir, on va faire quelque chose vraiment de très joli. On va rester sur les petits personnages, puisque je vous ai dit que je restais avec... j'utilisais Caprice de Météo. Je vous rappelle que Caprice de Météo, le lot notamment, toc toc, je reviens, c'est celui-ci. Et je vous ai pas précisé qu'ici, c'est les tamponnages que je me suis amusée à coloriser avec les pinceaux à eau, à réservoir d'eau. Si vous voyez... Et ici, voilà, c'est moi qui les ai colorisés. C'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. On a un joli cerf-volant ici. Voilà. Et ça, ce sont les découpes dans le papier à motif. Vous voyez, il est tout brillant. Ça, c'est top. Donc ça, c'est un lot qui monte à 67,50. Et du coup, ça vous permet d'obtenir le papier que j'utilise ici de la Sable à 60 €. Alors... Maintenant, je vais rajouter, vous avez vu, j'avais mis un petit ruban ici. Aujourd'hui, je vais mettre de la ficelle de lin. Tout simplement. Est-ce que tu fais des petites collections? Christelle, je ne sais pas trop. Alors, pour l'instant, je ne fais que les échantillons de papier. Les échantillons de papier à motif et les papiers spéciaux. Mais tu n'es pas la seule à me l'avoir demandé. Donc, je vais réfléchir activement à la question. Alors, je vais entourer ma carte avec un petit peu de fil de lin. Voilà. Hop, je vais faire un joli nœud. Et j'ai vu passer sur les réseaux, je ne sais plus quand, une astuce trop bien. Parce que vous savez, on aurait toujours besoin d'avoir quatre mains pour faire les nœuds. Et regardez, vous savez, dans le kit d'embossage, on a une super petite pince pour tenir notre papier et pas se brûler les doigts. Christine, excuse-moi, j'avais pas vu ta question. Je l'ai fait avec les pattes d'encre, la colorisation avec les pinceaux au réservoir d'eau. Alors, donc, je disais, la petite pince, eh bien, je m'en sers pour maintenir mon nœud ici. Et du coup, je peux faire ma boucle tranquille. C'est magique. C'est une démo américaine qui a fait ça, qui a montré ça. Et je trouve ça trop cool. Bon, là, j'ai pas pris assez de longueur, je pense. Mais ça va le faire. Voilà. Toc. Et du coup... C'est magique. Du coup, on n'a plus besoin de galérer là pour faire nos nœuds. C'est trop, trop bien. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'américaine qui avait montré ça. Mais en tout cas, je trouve ça génial. Moi qui ai deux mains gauches pour les nœuds, je trouve ça trop cool. Alors, hop. Je vais mettre ça de façon un petit peu plus jolie quand même. Ouais, je savais que la petite astuce vous plairait. Mais je sais que de manière générale, vous êtes friands de petites astuces comme ça. Et en même temps, vous avez bien raison. Du coup, tu as fait la carte pour la Saint-Valentin. Super. On ne pourra pas oublier de me montrer vos versions. Alors, on continue. Je vais prendre ma petite machine. Alors, je l'ai préparée. Donc, j'ai posé... Donc j'ai découpé le morceau de papier à motif, j'ai déposé mon dies dessus, hop, et c'est parti, on fait la découpe. Du coup, c'est super rapide. Quand on est pressé, le fait de pouvoir découper dans le papier design, je trouve ça trop cool. La mini machine, elle fait partie des options pendant la SAB, au fait. Vous pouvez l'obtenir dans votre kit de démarrage, et du coup, ça vaut sacrément le coup. Et voilà, ma petite tortue, vous voyez. Hop, elle brille, c'est trop cool. Alors, je mets ça de côté. Voilà, voilà, j'ai déjà découpé ce qui va remplacer mes ronds ici. Alors, pour ça, j'ai utilisé Forme à la mode, je les adore. Ils sont dans le catalogue annuel, ceux-là. Et vraiment, ils sont super sympas. C'est hyper pratique et j'aime beaucoup le côté pyramidal. C'est ce que j'aime beaucoup, pouvoir mater le papier, je trouve ça super. Alors, j'ai découpé
dans le Mélodie de Mang pour rester en accord avec ma petite tortue et tout simplement un autre dans du papier blanc. Voilà, ça va faire ressortir tout ça. Voilà, on en retrouve dans le papier à motif ici aussi. Donc du coup, ça tombe parfaitement bien. Je vais venir le coller. Alors, je prends mes dimensionnales que j'ai encore perdues. Pourtant, je sais que je les avais. Ah, c'était caché. Alors, je vais d'abord coller le petit carré blanc sur le Mélodie de Mangue. Voilà, tout simplement. Toc. Et je vais venir coller ma petite tortue ici avec, pareil, des dimensionnales. Hop, ça va lui donner un petit peu de relief. Par contre, tu sais pas quoi mettre à la place de la tortue. Eh bien, un petit cœur ou un petit sentiment, tout simplement. À la place d'un personnage, ça peut aussi être un message qui peut être mis directement sur la partie blanche, par exemple. Hop, je vais venir le coller ici, mais avant, je vais tout de suite faire l'intérieur de la carte. Pour cela, je vous avais proposé de prendre un morceau de papier uni en 16,5 par 12 cm. Les petits carrés, ah, j'ai pas donné de mesure du tout, Christelle, en fait, parce que j'ai découpé avec les poinçons forme à la mode. Mais je peux te donner tout de suite, si tu veux, la mesure, enfin les mesures. Donc, celui en Mélodie de Mangue, il fait 6 par 6. Et le blanc, il fait à peu près 4,8. Donc 6 par 6 et 4,8. 6 par 6, le carré, Mélodie de Mangue, et le blanc, 4,8. Ok. Donc le papier uni, 16,5 par 12. D'accord. C'est ce qui remplace ici, donc, mon fraisier en fleurs. Et tout simplement, du papier blanc, qui mesure 16 par 11,5. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas le laisser tout blanc comme ça, parce que c'est moins joli, on est d'accord. Du coup, je vais tamponner un message. Je vais tamponner une journée du tonnerre, qui vient donc toujours du lot Joie de la pluie, ici. Ce sera nickel pour un anniversaire. Et comme mon matage est en Mélodie de Mangue, je vais le tamponner tout simplement en vert olive. Et je vais venir le mettre en haut ici pour qu'on l'aperçoive quand on va avoir inséré la petite carte dedans. Gros bisous Nathalie, bon courage pour la journée de travail. Je t'embrasse très très fort, merci d'être passée. Hop, et du coup je vais venir le tamponner ici. Et la deuxième petite touche, eh bien, vous allez voir, tout simplement, j'avais donc une chute de papier, toujours la même collection. Je vais venir tout bêtement coller ce morceau ici, ça va rappeler l'avant, l'extérieur de la carte. Hop, voilà, ça c'est idéal pour utiliser vos chutes de papier pour décorer l'intérieur de vos cartes. On arrive bientôt à la fin de la création de cette carte. N'oubliez pas, j'ai une petite astuce à vous donner après. Alors, ne partez pas tout de suite. Hop, voilà, c'est collé, c'est tout bête. Je retire l'excédent et je peux venir tout de suite, ça donne... Voilà. Ça change tout, tout de suite. Il y a un petit sentiment. Une toute petite chute de papier, ça y est, l'intérieur de la carte est habillé. Il suffit vraiment de pas grand-chose du tout pour ça. Toc. Si jamais vous passez un bon moment, que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Ça sera super gentil de votre part. Peut-être qu'il y a des gens que ça peut intéresser, hein, et dont vous ne vous doutez pas d'ailleurs. Ne partez pas sans moi, version Starek. Et on forme ma routine ce matin. Ok, alors voilà, on a notre petite carte qu'on va pouvoir insérer tranquillement
à l'intérieur. Donc ça fait assez joli puisque du coup on a le vert olive et le mélodie de mangue. Du coup ça tranche un peu. On a les trois couleurs. C'est très sympa. Coucou Annie. Bonjour, bonjour. Ici, bah du coup, il me reste ça quand même hein, à venir coller. Et si j'ai voulu attendre, voyez, c'est pour ça. Parce que je voulais laisser apparaître mon sentiment. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir positionner ma petite tortue. Et maintenant, je peux le coller et je vais mettre des dimensionnels. Alors, depuis quelques temps, je n'ai plus d'ongles. C'est une catastrophe pour scraper, je vous dis pas. Hop, ici. Là, je vais le mettre juste en bas. Et le dernier. Du coup, je vais laisser la pointe juste en dessous de mon sentiment. Voilà, tu es à peu près là. Voilà. Ça vous plaît, Martine? C'est cool. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, il nous reste une dernière petite touche à mettre. Vous allez voir. Tout de suite, toc. Coucou Caroline, bonne année à toi aussi ma belle, j'espère que tu vas bien. Je vais juste ajouter des petits papillons. Oh, ça va bien avec la nature et tout, c'est top. Alors, je vais mettre un petit papillon doré. Et là, je vais le mettre directement sur la carte ici. Voilà, ça sera un petit peu joli. Christelle aime beaucoup aussi, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais même quelque chose de pas compliqué, on peut vraiment le rendre très joli. Il suffit de pas grand-chose. Bon, toi, tu m'agaces. Voilà. Un petit papillon ici. Et voilà. Cette fois, on a donné toutes les touches à notre carte. C'est sympa, hein? Les petits papillons, je ne pouvais pas m'empêcher de les mettre, on est bien d'accord. Nadine me dit vraiment très belle carte, je vais la faire ce soir. Ah, ça c'est chouette. Alors, si jamais vous faites la création, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez ajouter le hashtag HarmonyScrap, vous savez le dièse HarmonyScrap, et du coup je serai notifiée. Il va falloir que je retrouve rapidement ma scrapbook, mes hommes démangent en voyant cette carte. Ouais, je comprends Caroline. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une petite astuce que je voulais vous donner. Merci beaucoup Nadine, c'est adorable. Tout à l'heure, nous avons coupé notre papier à motif ici et nous avons obtenu 4 triangles. Avec plaisir Annie, j'ai hâte de la voir, votre version. Il ne faudra pas oublier de la partager, que je puisse vraiment moi aussi en profiter. Donc je vous disais, on a coupé 4 triangles ici. Ouais, du coup, on est d'accord qu'il nous en reste 2 et que si on veut les mettre comme ça, c'est pas cool, hein, c'est à l'envers. Et du coup, comme j'ai des motifs aussi derrière, bah même si je change, et en plus j'ai les doigts palmés aujourd'hui, hop, et bien mes motifs aussi seront à l'envers. Et bien en fait, la petite astuce que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de carrément créer une autre carte complètement différente, mais hyper simple, pour ne pas perdre vos papiers. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. 2 cartes identique, voilà, en utilisant donc les 2 autres triangles qui me restaient, d'accord, je vais vous zoomer ça pour que vous voyez un petit peu mieux, regardez, donc j'ai collé ici, donc du coup je vais me séparer simplement des 2 petites pointes, d'accord, j'ai pris du papier blanc que j'ai passé dans un clioir de gaufrage, jolie fleur, tout simplement. Ok, j'ai collé donc mes triangles qui me restaient, toujours ma petite ficelle de lin, j'ai utilisé la perfo 2 ovales ici, tout bête, voilà, et j'ai rajouté à l'intérieur. Je suis partie sur un matage en fruits des bois, qui fait partie aussi des couleurs de la collection fleurs de prédilection, et le joli merci ici. Et du coup, on n'a pas de perte, ou quasiment pas, avec nos triangles. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Mais du coup, vous vous retrouvez avec 4 cartes. 3 cartes, pardon. Et c'est super pratique, super simple. Il suffit vraiment de pas grand-chose.
la base de cartes en blanc, le plioir de gaufrage, et puis hop, comme ça, on ne perd pas tous nos triangles. Et pour vous montrer juste ce que j'ai utilisé, donc le plioir de gaufrage, j'ai utilisé Jolie Fleur et il est dans le catalogue annuel. Merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise. Ici, sympa et généreuse pour le merci que j'ai mis à l'intérieur de la carte. Lui, il est dans le mini catalogue actuel. Et alors, je l'adore. Je vous l'ai dit pendant les portes ouvertes. Et ici, un petit mot vient tout simplement de Soies Essentielles qui, lui, est dans le catalogue annuel. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un petit tuto rapide qui apparaîtra cette semaine sur ma page, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, avec les mesures, etc. Donc, pas de souci. C'est une base de cartes, hein, toute simple comme on fait d'habitude, 21 par 14, 85. Donc, vraiment très simple. Vous aurez ça dans la semaine, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche? Voilà. Du coup. Avec ces morceaux de papier, on se retrouve donc avec ces trois jolies cartes avec le papier à motif fleur de prédilection. C'est plutôt sympa, non? Du coup, pas de perte, pas de gâchis, on s'éclate, c'est juste ça. Et du coup, on peut envoyer des jolies cartes pour faire plaisir. Et ça, donc, c'était la première version avec nos petites chouettes. Voilà. Ça y est, on arrive à la fin de notre premier live créatif de l'année 2023. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que c'est réciproque et que vous aussi, vous avez passé un beau moment, que vous avez appris des petites choses, que vous allez vous atteler, si ce n'est pas fait, à faire cette petite carte, cette grande carte croisée, vraiment, et que surtout, vous penserez à les publier donc et en mettant le hashtag HarmonyScrap pour que je puisse être notifiée, que je puisse moi aussi en profiter. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux et nombreux ce matin. Merci pour vos adorables commentaires que je vois défiler, qui font toujours un bien fou. Et puis voilà, si vous avez envie de rejoindre mon équipe pendant la SAP, c'est le moment. Attention, il n'y aura qu'une seule Celebration cette année. Donc le 28 janvier. Février, 28 février, ça sera terminé. Donc réfléchissez et puis si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir. Je vous embrasse très très fort et on se dit à très très bientôt pour un prochain live créatif. Ciao ciao, bonne journée!